nuit où je suis tombé dans le piège du marchand de cendres. C'était dans un club de jazz un soir de match en décembre. Et elle était là immobile, debout en haut des marches sans descendre. J'ai rompu avec ma timidité comme en m'arrachant des sangles. Et j'ai flotté jusqu'à elle en marchant sur des ombres. Poésie, amour, même art, chant des anges. Si nos souvenirs s'endorment, c'est que nos mémoires sont des chambres. Je vous raconte celui-ci comme un faux cauchemar sans défendre. La nuit où je suis tombé dans le piège du marchand de cendres. C'était un beau combat, Ali gagné par KO à la 12e reprise. Et elle était là immobile, portant une robe légère comme la brise. De temps en temps, elle entr'ouvrait ses lèvres rouges comme la braise, pour habiller ses soupirs d'une mystérieuse fumée grise. Pour dire quelque chose, je lui ai demandé une cigarette avant que sa conversation ne soit prise. Et sans dire un mot, elle m'a tendu la sienne, imaginez ma surprise. Puis elle a souri en me voyant ainsi embarrassé. Et quand j'ai posé ma bouche là où elle avait posé sa bouche, j'ai eu l'impression de l'embrasser. Puis elle s'est évaporée, elle et ses lèvres adorées. Dans le nocturne Harlem, à l'heure où le soleil se lève à Gorée. Je garde en mémoire le souvenir de ce sourire qui a parfumé ma première cigarette et qui a su rendre cet instant magique, même si l'issue reste tragique. Je suis tombé dans le piège du marchand de cendres. Depuis, ma dépendance et moi, on marche ensemble. Et pour m'en sortir, je me suis promis de vrai. J'arrête de fumer le jour où je recroise ma belle inconnue et qu'elle m'embrasse pour de vrai. Thank you.